mérite une minute de silence carrément. Le trio is back! Too much. On se retrouve dans un nouveau vlog. Je refuse que les vacances se terminent. Nous allons chez Fofo! Ça va être un petit périple et tout ça. En plus maintenant avec tout le bazar qui se passe en ce moment, pas trop envie de parler de l'actualité encore une fois parce que ça me... It's giving me anxiety. On va épargner tout ce détail, je pense que tout le monde est au courant. C'est un petit peu plus laborieux, même juste de prendre le train. Voilà, bref, ça va être un peu de péripéties et tout ça. Mais j'ai trop hâte. Passer une semaine toutes les trois avec Kumba et chez Fofo, du coup, ça va être trop bien. J'ai trop hâte de les retrouver. Kumba, ça fait super longtemps que je n'ai pas vu Fofo depuis Paris. Ça va faire maintenant 2 semaines. Donc j'ai trop hâte. C'était prévu depuis un petit moment. C'est pas sûr jusqu'au dernier moment. Voilà. Bref, aujourd'hui je voulais présenter quelques pièces que j'ai reçues du site Naked et j'ai un petit code promo pour toi. Attends, on commence les choses correctement. Un petit code promo pour toi qui t'offrira 30%, je te le mets juste ici, c'est Megatelia 30 il me semble. Je remettrai tout en barre d'infos, que ce soit les liens ainsi que le code promo. J'ai pris ce petit haut, tout simple, c'est pas un body ni rien du tout, c'est juste un petit haut à manches longues avec des petits flut en bout de manche que j'aime trop. Je te montre pas mes mains parce que la vérité, j'ai fait un massacre. J'ai arraché mon ongle. Et je vous jure, il est horrible à voir, je veux pas que tu vois ça, tu vois. Ça fait peur. Et ça, un coup, même si j'aurais montré, t'aurais pas remarqué. Je te jure, c'est horrific. Un petit peu flut ici en haut aussi. Jean aussi, je te mettrai là l'image. Super bonne qualité. Franchement, je kiffe de ouf. J'aime trop. J'ai mis ça avec des petits talons assortis à mon haut. Je l'ai présenté dans un haul précédent. C'est un jean avec la slit en bas, noir. Seul petit problème, je l'ai pris un peu grand. Donc j'ai un peu le seum. J'ai pris en 42. En fait, j'ai passé ma commande quand j'étais au Maroc. Et au Maroc, j'ai bien mangé. Tu vois, une semaine, barrière et tout. Je me suis un peu emballée, disons. Ça va légèrement, tu vois. Je sentais en fait que j'avais pris du poids là-bas. Genre, j'ai dû prendre au moins 3 kilos en 2 semaines. Je suis revenue en France et juste de reprendre mes habitudes. Ça y est, les 3 kilos sont partis, tu vois. Du coup, j'ai anticipé, mais légèrement un petit peu trop anticipé. Du coup j'ai pris du 42 pour les jeans alors que je pense qu'un 38 serait suffisant, un 40 serait très bien. Je suis vraiment entre le 38 et le 40. C'est vrai que 42 c'est légèrement grand. J'ai fait le tweak de passer le bouton dans le passant et ensuite plier mon jean pour perdre une taille et demie. C'est super confortable. En même temps, cette largeur, ça peut pas être, tu vois. J'avais grave des préjugés sur cette marque parce que tout le monde en parlait, tout le monde en faisait la pub et tout. Et j'appréhendais vraiment. Après, la qualité, elle déchire. Deuxième tenue, j'ai reçu cette chemise que j'ai décidé de porter en robe qui est assez longue derrière parce que je suis super courte aussi. Voilà, je tiens à vous dire. Je fais 1m60, donc voilà, ceci explique cela. Le détail sur les manches et tout, grave mignon. Je l'ai aussi prise en noir, je te montrerai ça juste après. Voilà, je sais pas quoi dire de plus, je suis désolée de pas l'avoir repassé. Je me suis vraiment empressée de filmer le haul, par mettre tout ça dans ma valise, emmener tout ça chez Fofo et faire la belle chez Fofo. En plus de ça, je t'avoue que je me suis dit, admettons, je repasse aujourd'hui, je mets dans ma valise, je vais arriver chez Fofo, ça va être tout froissé, je vais recommencer tout. Non. J'ai mis avec des talons que je t'avais montré dans un précédent haul également. C'est pas satiné, c'est pas brillant parce que j'ai l'impression qu'on dirait c'est brillant là, la caméra, mais non. Tu peux mettre ton maillot de bain dessous, tu sors de la plage et tout. Il est encore temps, il est encore temps de se faire des plans et tout. C'est que début août. Ah, bref, c'est bon. Mon make-up déchire, wesh. C'est ma tenue. Tu m'as laissé dire ce mot out-suite alors que c'était le troisième. Troisième tenue, j'ai encore pris du coup la même chemise mais en noir. Je pouvais juste pas passer à côté parce que l'outfit que je vais te montrer juste après, sur le site, la fille avait cette chemise ouverte par-dessus l'outfit. Donc j'ai pris tout l'outfit. Je sais, il y en a qui font ça aussi. Tu vois tout l'outfit sur le mannequin sur le site et tu te dis peut-être je prends le haut. Les jeans qui ressemblent, mais genre ça va pas faire exactement la même chose. Donc attention, je prends le jean aussi. Après tu vois les escarpins et tu prends les escarpins aussi. En parlant d'escarpins, je vais te montrer ça de plus près parce qu'en fait... Elle mérite, je sais pas comment t'expliquer, elle mérite une minute de silence car elles sont d'une beauté. La chemise, bah, c'est exactement la même que la jaune. Et limite, je suis en train de me demander si je préfère pas celle-ci. Les deux, c'est la même matière, les deux sont pas brillantes, c'est matière chemise avec les petits lacets. Petits lacets que tu peux ouvrir, fermer, complètement défaire, tu vois. Tu peux plier, tu fais ta vie avec, tu fais ce que tu veux avec. Le fameux outfit du site, la chemise ouverte, le petit crop top croisé. C'est vraiment un top sans manche. Même si devant, on dirait que c'est que une brassière. Mais... Ensuite, j'ai mis la petite chemise ouverte. Jean, c'est le même que le noir, mais en bleu.
tout simplement. Et j'ai remis les petits talons roses qui sont super cute, ça fait la petite touche colorée. Donc, petit survêt taille haute, il est super chaud, je te cache pas là, je suis en train de crever de chaud. Il est super bien, il est hyper confortable et tout. J'aime beaucoup. Taille M, je l'ai pris et dedans c'est très doux, genre ça tient vraiment chaud. L'élastique en bas pour resserrer. Voilà, fin du haul les roses. Je vais aller préparer ma valise pour aller chez Fofo. Trop hâte de retrouver les filles. Grave cool, grave bonne ambiance et tout, donc je t'emmène avec moi. Encore une fois, tous les liens pour Naked seront en barre d'infos. Code promo MEGANZELIA30, je te le mets juste ici encore une fois. Il y a un temps de validité, je sais plus, mais je remettrai toutes les informations dans la barre d'infos. Je sais que ça va pas être valable longtemps, donc profites-en un max tout de suite parce que 30% c'est beaucoup. Le lendemain, j'ai mis directement ma petite chemise. J'ai fait un petit outfit super cute. J'ai pas vlogué aujourd'hui, je suis sortie avec Louisa et une copine à Louisa. C'était trop bien. Oh les gars, à Paradis du Fruit. On a pris un truc qui s'appelait Paradis, une connerie comme ça. Paradis du Paradis. Oh! It was incredible. Chilo dans le max. J'ai pas compris du coup l'histoire du pass sanitaire, pas pass sanitaire et tout et tout. C'est vrai que c'était depuis le 21 juillet, mais j'ai rien compris en fait. Enfin, je sais pas, parce que du coup aujourd'hui, y'a personne qui nous a demandé, donc bon, bah, j'ai envie de te dire tant mieux. Enfin bref, demain, je vais refaire mes styles demain avec Férouz et du coup, je t'emmènerai avec moi. Et ensuite, chez Fofo. On est le lendemain matin. Quand t'es allé chez Férouz, j'ai pas beaucoup dormi, je suis grave fatiguée. Je me sens genre sick. Je croyais que c'était pas le paradis du paradis, mais l'enfer de l'enfer, frère. Oh, grosse flemme. Mais c'était bon. En bref, j'ai fermé mes cils. Je te montrerai de toute façon mieux quand je serai chez Férouz. Ça fait une petite semaine, c'est vraiment la cata. Hâte de les refaire. Genre, ils sont tous en cacahuètes. Enfin, je te montre. Par rapport à la dernière fois quand t'es venu, là, c'est le rosemont qui est en train de tomber. Mais je trouve que tes cils, ils ont grave poussé. Ah ouais? On va chez Fofo! Yeah! Je suis trop contente! Je suis enfin arrivée dans ce patelin. J'ai l'impression que j'ai fait une journée de train, genre je suis fatiguée. Les fesses en friant carrément tellement je suis restée assise. Je n'en peux plus. J'ai trop faim. Du coup, faut que je vous raconte un truc. Dans le train, genre, depuis Lyon, en gros, j'étais avec une petite mamie, tu vois, dans le train. Enfin, en gros, on est montés en même temps. Et on est descendu ensemble et tout. Et on était en mode, ouais, c'est long. Enfin, bref, on a discuté, tu vois. Et en fait, elle retrouvait son amoureux. Genre, mais vas-y, c'est des vieux. Enfin, c'est des vieux. T'as capté, retraité comme ça. Trop mimes. J'ai trop faim. J'ai envie d'aller chercher un truc à manger. Mais imagine, on est déjà par McDo. Et après, j'ai regretté le jour de ma naissance, carrément. On dirait il fait beau, il fait chaud, mais en même temps il fait pas beau et tout. Bref, vas-y. Fofo qui m'accueille en gamos. Qu'est-ce que je disais? C'était sûr. C'est stylé de ouf, c'est le drive. Et Tour, hein. Tour, c'est ultra stylé. Ça pour du coca et des frites. Hein. Ah oui. Tu sais ce que tu veux? Coca et des frites. Crémi de luxe. Est-ce que t'as senti l'hamburger? C'est jugement. Ouais, ma nouvelle passion. Ça sent trop de McDo. J'espère qu'ils se sont pas trompés. Egg and cheese. J'avoue, c'est pas beau. C'est pas beau. Comme son nom l'a dit, du fromage, du pain et des œufs. Frère, c'est trop bon. C'est exactement le goût des pains rebeux. Je te jure, c'est incroyable. Oh my god. C'était bien 15h. Combat en retard comme d'hab. 15h20. Non, 30. C'est bon, je crois. Non, je te vois pas. Attends, je vais. Faut que t'ailles. Quand tu sors de l'entrée principale. Elle est déjà en train de se plaindre. Le trio is back.
On va à Applewood manger de la pizza. Elle est où l'autre? Ah, elle est là. La relou. Franchement, Tours en scred, il y a un potentiel. On dirait pas on est à Barcelone de Spi. Viens, on fait genre on est à Barcelone. Waouh, Barcelona! Toujours on est avancé, il faut qu'on chante, il faut qu'on parle espagnol. Hola, 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 hola. On dirait pas dans Harry Potter 1, là où il va chercher les livres, le truc noir. Il y a les quais comme à Lyon du coup. Mais c'est les quais de la Loire. Ils nous allons, c'est ça la guinguette? La guinguette. T'es voir, Fofou nous a fait les bouclettes, ça. C'est beau gosse les deux là. J'ai de la chance, c'est bien entouré hein. Oh c'est trop chiant. Petite soirée Netflix. On est en train de faire les courses. Coum. Regardez, elle est où? Je te balance. Moi, je mange pas de bonbons. Moi, je suis une meuf au régime. Depuis hier. Déjà t'es une mytho parce que je suis là depuis hier. T'as dit quoi? Vous avez vu pas maintenant? Franchement. On est aux courses, vous êtes contente? Très contente, très heureuse. T'es beau aujourd'hui hein. Très beau. Salut. Ouh, des joupidou. C'est le plus beau chat du monde, regardez tous. Oh, mais il avait la dalle! Je jure, il a pas trouvé sa gamelle en descendant les escaliers. Parce qu'il devant. A pas l'habitude. Enfin, tu sais, je pense que les animaux, ils ont un. Oh, doubidou! Il est trop chou. Regardez-moi cette princesse. Au revoir la voiture, au revoir la piscine, au revoir le bazar, au revoir la maison, au revoir la maison. Elle est bizarre. Non mais il faut prendre le premier coup. J'ai grave pris. Bon. Tiens, je te passe ça. J'en ai, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas trop vlogué parce que en fait il faisait pas beau en fait, on a rien fait, mais ça va, regardez Twilight, regardez Twilight. Twilight combien ça? Le 3. Je suis pied phobique. Deux choses. La phobie des chats, la phobie des pieds. Oh là là. Leave me alone. Voilà notre semaine. Ouais j'allais dire notre week-end mais. On a fait des parties de Uno. Ah, Uno pour ne pas changer. Je vais encore gagner. Arrête. Attends. Oh. Je suis sérieuse. Quand on camera. Tu es très chaud contre moi. Bien sûr. Par contre, je me passe là, je suis trop bien. On a fait plein de dîners super bien. On a fait un brunch où Fofo nous a fait des petits pains perdus incroyables. French toast. Qu'est-ce qu'on a fait encore? Un cheesecake. Fofo. Le gars, faut juste. On prépare du cheesecake avec le thermomix. Vas-y. Là, t'as juste à mettre du sucre. T'es mal, elle est timide. Du sucre glace avec ça, avec un batteur. Oui. Bah oui, ça c'est un batteur, ça. On compte tout, c'est juste un batteur. Mais le sucre glace, on est d'accord, c'est le sucre blanc, là, la poudre. Oui, tiens.
Tu recommandes ou pas les Thermomix? Ouais, de fou. Tu fais partie du gang des... Des mères, t'as une mère chelou. Outré, on a fait la cocaïne. Non, je rigole. Oh, démonétisation. On a fait un cheesecake. Ah, tu parles du brunch. Oui, je parle un peu de tout, tu vois. Enfin, tout ce qu'on a fait, quoi. En fait, on a fait des choses pour le temps qu'on avait, mais voilà, à la base on avait prévu genre de se baigner et tout. Malheureusement, le temps n'était pas avec nous. Mais bon, j'étais contente de revoir mes petites crottes quand même. C'est mignon en vrai, petite crotte. Tu sais que je dis ça à ma nièce, à chaque fois elle dit ouais, tata a fait petite crotte. Moi je dis cacou. C'est encore pire. C'est trop laid. Ouais, du coup, c'est vrai que j'ai pas trop vlogué tous les jours et tout parce que... Bah, il y avait pas spécialement d'intérêt, quoi. On faisait souvent la même chose. Twilight et Twilight. C'était super de revoir tout, quand même. Pas carrément. Kumba n'a pas aimé. J'aime pas Twilight. C'est bizarre, franchement. Bon. Et on ne jugera point. Je la juge parce qu'elle regarde des vieux trucs de merde. Mais en fait, Twilight, c'est un vieux truc de merde, mais j'aime pas parce qu'il y a des vampires. Ah oui, parce qu'elle a aimé le film avec Christina Milian. Bah moi j'ai bien aimé. Sur Netflix. Non, franchement, il était bien le film. Quoi, on a vraiment poussé Netflix. On a regardé aussi. World Trade Center. Donc il était super bien, grave émotionnel. Moi j'ai chialé comme d'hab. Hein. J'ai eu aucune larme. Je te jure, j'ai chialé. Ouais, ouais. Je te jure. Bah moi j'ai eu aucune larme. À la fin, j'ai fait mon make-up parce qu'on devait sortir vu qu'il y avait une once de soleil, une once d'espoir. Et finalement, j'ai rechialé. J'étais à côté de toi, mais j'ai eu aucune larme. Où allons-nous? À Azé le rideau. À quoi? À Azé le rideau. Rideau comme les rideaux. Apparemment, c'est un village super cute. Donc voilà, on va là-bas et après on retourne sur Tours. Et après demain. Non, on s'inquiète déjà. Enfin. C'est quoi ces potes? Je rigole. Chouki. Chouki des sous. Mon havre de paix. Ah, bien joué, jeune mot. À mon avis, vous devez tout le temps. La meuf, tu viens de la pointer maintenant. Enfin bon, voilà. See you au petit village des rideaux. Enfin, c'est pas ça le nom, mais. Kumba, je suis relou. Carrément, franchement, fallait me réfléchir pendant. En fait, il y a plein de tournesols autour de chez elle. Mon rêve, c'était faire une photo avec les tournesols, sauf que regarde le temps. Y'a rien qui va, tu vois. Y'a rien qui colle. Bref, tu verras. De toute façon, faudrait bien laisser voir, elle sera sur Insta, c'est sûr. Bah, oh, y'a des chevaux! Au fond! Des chevaux! Il y a des chevaux! On va faire une toile là, non? Ouais, on va faire ça. Regardez les chevaux. Oh, ils sont super loin. Enfin, en vrai, ils sont à côté, mais bon. Ils sont trop choupidous! J'étais obligée de venir jusqu'à là pour qu'elle rentre. Regarde-moi tout ça. À perte de vue. Attends, viens comme je te faisais avant. Recule, t'es trop gêné. Recule, recule. Too much. Vas-y encore. C'est bon. Le rideau. On est de retour à Tours. Genre, vas-y, je suis là, je fais des vannes, ok, qu'elles soient bien ou pas, mais tu vois, je mets une ambiance. Elles sont jamais dans mon délire, franchement, flemme. Enfin, dans une friperie, c'est Kilo Shop. On va juste faire un tour, voir. Koum, t'es contente, on va faire les boutiques? Youpi! Une pluie, vraiment. On vient de passer une heure pour attendre de faire un test. C'était le test le plus gênant de toute ma vie, de Covid. C'était horrible, c'était dégueulasse. J'avais du sang dans la bouche. C'est disgusting. On va faire les courses. Et après, on va regarder les derniers toilettes. Comment elle est au bout de sa vie. Hello darkness, my old friend.
C'est grave la base. Skyblock 2002. J'ai oublié que tu faisais ça. D'ailleurs, tu devais pas faire un même Skyblock. Ouais, mais sérieux, ça m'a passé après, j'ai arrêté de le faire. Je suis vraiment petite vite comme ça, regarde. Oh, on dirait pas les super nanas. Non, c'était mal. On a oublié les cotons démaquillants. Franchement. Quel bail. C'est n'importe quoi. C'est gênant. En vrai, c'est du coton. Ouais, c'est du coton bleu, donc ça passe. Et on est posé encore une fois devant. Twilight! Dernier repas avec mes friends. Au revoir. Regardez comment elle a l'air trop bonne celle-ci. Mmh. 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 Voilà. On va faire ça là. Oui, you. Mmh. Yummy. Mmh. Hey, on est le lendemain. Flo va me déposer à la gare. Il est très très tôt le matin. Ça a été une longue journée pour moi. Mais vraiment, bah écoutez, j'ai pas trop vlogué, mais franchement, ça me fait grave plaisir de revoir les filles et tout, c'était grave cool. En fait, de notre côté, genre, c'était cool, mais pas grand chose d'intéressant à vlogger, ça n'allait pas être divertissant si je filmais tout ça, enfin, genre, des activités normales quoi. Donc voilà, j'espère que ça t'aura plu quand même, et puis, des bisous! Je suis grave relou, j'ai eu mon petit survêt naked. L'OPRH, départ, 8h. Bah, c'est bon, elle est en train d'y arriver. En plus, mon gars, chelou. Je suis mort.